le journal. Merci d'être avec nous sur la Nationale, mesdames et messieurs, bonsoir. Après une longue attente, enfin, le gouvernement Samalou Kondé II est connu. Hier, la porte-parole de la présidence de la République a dévoilé sur la chaîne nationale les 52 membres du gouvernement. Au total, 12 ministres ont rejoint la nouvelle équipe gouvernementale Sama II. Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi ont également rejoint l'actuel gouvernement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le Collège des hautes études de stratégie et de défense a organisé le jeudi 23 mars 2023 une conférence sur la nécessité et apport de la femme au sein de FARDC. Natacha Mobanda, reportage. Valorisation des ressources féminines des références pour motiver la jeune génération à s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo est l'objectif poursuivi par cette conférence sur la nécessité et l'apport de la femme au sein de FARDC. Le commandant du Collège des hautes études des stratégies et des défenses, le général-major Moubiaï Mamba Augustin, a exhorté les femmes considérées jadis comme victimes à jouer un rôle prépondérant dans les conflits armés. Avec l'idée de l'égalité de genre, le monde comprend que la femme est aussi forte que l'homme et qu'elle peut remplir d'énormes services, surtout dans les forces armées. Cela étant, nous avons pensé qu'il est nécessaire d'activer cette femme, de sensibiliser cette femme, de la mobiliser pour qu'elle se comprenne, qu'elle se connaisse et qu'elle joue réellement le rôle qu'elle doit jouer. Le général-major Chechi Mayou Justine, commandant des corps de logistique de FARDC, et le colonel Mukembe Nenek ont brossé un panorama de la femme militaire congolaise, sa condition et son traitement, ainsi que les motivations d'enrôlement au sein de FARDC. La marraine de cette conférence, Madame Marie-Louise Ecoli, a appelé les jeunes filles à bannir le préjugé pour mettre en œuvre ses qualités de bravoure et d'endurance en risquant sa vie pour une cause noble, la défense de la patrie. Elle a aussi plaidé pour la responsabilisation de femmes au poste de commandement. Renforcement des capacités en programmation et gestion budgétaire des experts du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle à Kinshasa. Un atelier organisé par l'UNESCO en collaboration avec SPAS. Christine Lenzo et Simon Kakolongo signent ces reportages. Le deuxième pilier du plan national stratégique de développement 2019-2023, qui est le renforcement de la bonne gouvernance, accorde une place de choix aux réformes des finances publiques. Pour y parvenir, une batterie de mesures ont été articulées autour des trois principaux objectifs stratégiques, dont la rationalisation des dépenses par l'instauration des budgets programmes, car les finances publiques doivent constituer le levier essentiel des axes d'intervention du gouvernement dans le cadre de la modernisation de l'administration, de la bonne gouvernance assise sur une gestion axée sur le résultat. Dans les secteurs de l'éducation et de la formation, la stratégie sectorielle vise l'un de ces trois axes pour améliorer la gouvernance et le pilotage du secteur avec un accent particulier sur la gestion des finances publiques. Voilà qui explique cet atelier organisé par l'UNESCO en partenariat avec l'SPAS organise l'atelier de renforcement des capacités en programmation et gestion budgétaire des cadres de l'éducation. Cet atelier pilote, ouvert par le représentant du ministre d'État en charge du budget, entend donc renforcer les capacités en planification et des gestions administratives et financières des quatre ministères en charge de l'éducation et de la formation en vue de corriger certaines faiblesses constatées dans ces domaines et assurer une bonne gestion financière et budgétaire dans les systèmes éducatifs. Plus précisément, les passages à des budgets de programmes en lieu et place, de budgets de moyens, exigent un renforcement des capacités des ministères du secteur de l'éducation et de la formation. D'où la participation des experts de ces secteurs, aussi des secrétaires généraux du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, des affaires sociales et celui du budget.
Une journée d'information sur la sensibilisation des filles et femmes autochtones et pygmées sur les droits de la sexualité et reproductive au objectif contribuer à l'amélioration de l'environnement légal, politique, habilité pour la promotion des droits et accès à la reproduction de qualité. Toto Céleste Songo. Plusieurs filles et quelques femmes autochtones et pygmées ont répondu présentes à la cérémonie de sensibilisation sur le méfait des avortements clandestins organisée par l'ONG AIPAS. C'était au cours d'une journée d'information sur le droit des santé sexuelle et reproductive. La situation de la mère demeure préoccupante au regard de la mortalité maternelle. Cette situation est due en partie à la prévalence élevée des grossesses non sécurisées suite à la faible utilisation des services de planification familiale dans le mariage où les femmes en union doivent utiliser les méthodes contraceptives modernes. Quand les avortements ne sont pas faits de la manière la plus légale possible, il s'ensuit des dégâts sur le plan de la santé. AIPAS a bien voulu, dans le cadre de Makoki à Moissy, pour leur dire que ces femmes-là ont des droits qu'elles peuvent peut-être ignorer, mais là, elles ne vont plus les ignorer parce qu'elles sont assez outillées, elles peuvent dire oui ou non à une maternité. Nous remarquons souvent les mineurs qui tombent enceintes trop jeunes, envisagent d'aller même chez les charlatans utiliser les produits traditionnels et ces produits-là causent souvent des torts comme des décès. Ce que nous avons appris aujourd'hui, on nous a montré qu'en cas de grossesse non désirée, si la personne ne veut pas mettre au monde, est capable d'aller au centre le plus proche pour qu'on puisse les soutenir. Le docteur Arthur Matengo a exhorté ces femmes autochtones et pygmées sur le contexte juridique en rapport avec la santé sexuelle et reproductive en se référant à l'évolution des textes légaux en la matière. On note, pour préserver la santé sexuelle et reproductive, il faut pouvoir accéder à des informations exactes et à la méthode de contraception sûre, efficace, abordable et acceptable de son choix. Dans les provinces, on nous apprend que le gouverneur militaire du Nord Kivu a assisté plusieurs déplacés avec quelques vivres et non-vivres. Ça se passe à Goma, des précisions dans ces reportages. Le club des amis d'Eli Birindo à Kisibagaya, membre du parti politique ACO, a organisé ce vendredi 24 mars une caravane motorisée dans la ville de Bukavu au sud Kivu, sur les artères Place de l'Indépendance, Major Vangu, avec comme point de chute Place de la Paix. Cette caravane motorisée est inscrite dans le cadre du remerciement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la deuxième confiance placée à la personne du camarade Sama Lukonde comme chef du gouvernement, a dit Jean-Baptiste Safari Biamungu, coordonnateur provincial du club des amis d'Eli Birindo à Kisibagaya. Excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, et très chers camarades, c'est avec une grande satisfaction que nous, cadres et militants, réunis au sein du club des amis d'Eli Birindo à Kisibagaya du Sud Kivu, avons appris votre reconduite comme premier ministre. Et nous vous félicitons pour vos multiples efforts en vue du développement et de la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous profitons cette occasion pour adresser nos sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, pour cette monture du nouveau gouvernement qui augure espoir dans la matérialisation de sa vision pour un Congo fort et prospère. Pour la coordination du club des amis d'Eli Birindo à Kisibagaya, frère Jean-Baptiste Safari Biamungu Lumumba, coordonnateur. Nous étions là plutôt dans le sud Kivu et non nord Kivu. Tous en courroux s'est donné rendez-vous à l'aéroport de Lodja pour accueillir les députés nationaux Lambert Mende Omalanga. Ces derniers, devant une foule immense, a appelé au soutien des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cédric Kenina, reportage. Son arrivée à Lodja déclenche toujours une effervescence sans pareil. Les mieux élus du sang courroux, Lambert Mende Omalanga, pour sa dernière visite, a battu les records. La procession qui a paralysé Lodja a pris la direction du stade municipal PNR où le député national Lambert Mende Omalanga a appelé la population au soutien
les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et à un enrôlement massif. Nous sommes tous derrière le chef de l'État. Pourquoi dois-je faire l'objet d'acharnement et de complots avec mes militants par mes collègues politiciens du Sankuru qui prétendent soutenir la même vision? Pourtant, ailleurs, tout se passe normalement. C'est interrogé Lambert Mendo Malanga devant la foule qui, en somme, a insisté sur la nécessité d'un deuxième mandat pour le président de la République. Un message qui a reçu un écho favorable dans la foule qui a exprimé par une clameur son adhésion. Lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Boutakole sur l'axe Kisangani par l'Office des routes de la province du Bas-Ouélé. La cérémonie de coupure de ruban a été présidée par le ministre provincial du plan budget et fonction publique, Paulin Boussou. Roger Liné, sa reportage. Le tronçon routier Bouta-Banalia, long de 196 km, va bientôt subir les travaux de haute intensité par la suppression de Gros Bourbier et le dégagement de cette route nationale numéro 4. Le directeur provincial de l'Office des routes Bas-Ouélé, M. Jean-Louis Mpouambi, témoigne sa satisfaction de voir les travaux débuter dans ce tronçon routier Bouta-Banalia après celle de Bouta-Aketi qui avait débuté au mois de septembre dernier. Il demande au gouvernement central de mettre à leur disposition tous les fonds prévus pour achever ces travaux. Le ministre provincial du plan, budget et fonction publique, représentant du gouverneur de la province en mission, M. Paulin Poussou, a, au nom du gouverneur Jean-Robert Nzanza Bombiti, remercié le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté de libérer les fonds nécessaires pour débuter les travaux de réfection de cette route. De leur côté, les usagers de cet axe routier remercient le gouverneur Nzanza Bombiti et son gouvernement. Je suis content du gouverneur, que Dieu lui bénisse. Quitter Kisangani jusqu'ici, nous souffrons. Je félicite les gouverneurs du Bas-Ouélé dans d'autres provinces. Les routes sont délabrées. Mais ici, chez nous, ils se battent pour les réhabiliter. Signalons que les travaux dureront 6 mois sur un coût global de 706 528,3 $ américains. Comment évoluent les différents chantiers à Mbandaka dans l'Équateur? C'est ce qui a poussé le maire de la ville d'inspecter quelques infrastructures de cette ville. Des précisions dans ses reportages. Et urbaine sous un soleil accablant, accompagné du bourgmestre de la commune de Wangata et du commandant urbain de la police nationale congolaise, a commencé les contrôles des installations hygiéniques au quartier Mama Balako. Ces contrôles interviennent à la suite de l'expiration du moratoire des 2 mois accordés à la population pour aménager les lieux d'aisance des douches. Mais hélas, les constats faits par les maires Yves Ballot est très amer. Dans les habitations visitées, ce sont des installations hygiéniques faites des sacs et paille qui renvoie au Moyen-Âge et susceptible d'entraîner des maladies des mains sales. Autre tableau peint par les maires, l'amoindrissement des avenues par des camions abandonnés, ce qui rend difficile la circulation des personnes et des biens. Les maires a infligé des amendes aux récalcitrants avant de leur accorder encore une fois un délai de 7 jours pour se mettre en ordre. Yves Ballot. Jusqu'aujourd'hui, la population ne comprend pas que cet aspect des choses, elle, d'abord, les premiers bénéficiaires, c'est elles-mêmes comme population. Malheureusement, nous trouvons qu'il y a vraiment des états très mauvais des installations hygiéniques. Même au niveau des responsables qui représentent l'État, nous avions aussi trouvé que quelques responsables aussi, leurs installations ne répondent pas aux critères et au respect hygiénique là. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de travailler avec cette équipe costaud. Par ailleurs, ces contrôles des installations hygiéniques amorcés ce jeudi va se poursuivre dans l'ensemble de la ville. Ils sont sélectionnés pour un objectif commun sur des stratégies de la gestion des finances publiques. C'est les membres de l'exécutif provincial, les responsables de régie financière et les responsables des entités territoriales décentralisées qui prennent part à un séminaire animé par les experts du ministère national des finances. Nous sommes là dans les Kasaï centrales. Théodore Kabingo. Vont se tenir pendant 5 jours d'affilée, soit du 22 au 26 mars 2023, le séminaire gouvernemental sur la gestion des finances publiques dans la province du Kasaï central a été officiellement ouvert par les vice-gouverneurs Martin Makita Fambayi-Bayiba au nom du gouverneur de province en mission ce mercredi 22 mars 2023 à Kananga.
La tenue de ces assises a été rendue possible grâce au soutien logistique du projet Encore, une occasion pour son coordonnateur de s'étendre sur le bien fondé du dit projet dans notre pays et pas ricocher dans la province du Kassai central. Nous avons déjà commencé avec la première activité qu'on a fait, les recensements des assujettis sur l'impôt foncier, impôt sur les revenus locatifs et autres impôts. Avec la DGCAC, on a essayé de faire 10 jours de descente sur le terrain. La deuxième activité qui est là, c'est la capacitation au niveau des autorités, les ministres, les directeurs des cabinets, sur les dispositions de la loi. Dans son mot de circonstance, Martin Makita Famba s'est longuement attardé sur des objectifs spécifiques de ce séminaire en regard des priorités multisectorielles qui appellent une gestion orthodoxe des recettes locales dans la dynamique de la reconstruction du Kassai central. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est résolument engagé dans la réforme du système de gestion de l'État et dans la gouvernance par les finances publiques. 105 personnes participent à ces séminaires, parmi lesquelles les membres du gouvernement provincial, ceux de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale du Kassai central, les représentants des services d'assiette et des régies financières, ainsi que les représentants des ETD du Kassai central. À 3 jours de la clôture d'enrôlement des électeurs dans la ville de Tshikapa, la ministre provinciale de Genre et Famille, Denise Moulouka, sensibilise les retardateurs à s'enrôler au centre les plus proches, Franklin et Claire Kalombo. À 3 jours de la clôture du processus électoral dans la province du Kassai, deuxième ère opérationnelle, le taux de personnes enrôlées demeure encore faible par rapport à la provision de la CENI. Voilà qui justifie la descente dans les rues de Tshikapa de Madame Denise Moulouka Mohandi, ministre provinciale de Genre, Famille et Enfants, Jeunesse, Sport et Personnes Vulnérables pour sensibiliser le retardataire d'aller s'enrôler dans le centre d'identification le plus proche de leurs habitations. Les personnes à faible mobilité, les sportifs et autres couches de la société ont été sensibilisées ce jour par Denise Moulouka qui a expliqué à la population dans toutes les langues et dialectes parlés au Kassai l'importance de la nouvelle carte d'électeur pendant cette période de la révision du fichier électoral qui tend déjà à sa fin dans la province du Kassai. La ville de Tshikapa court le risque de perdre un siège sur les 4 qu'elle a au niveau de la députation nationale si les nombres d'enrôlés au niveau de la ville ne s'améliorent pas, a martelé Denise Moulouka lors de cette descente sur terrain. Nous devons accorder un second mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui, nuit et jour, se bat pour le bien-être du peuple congolais. Enrôlons-nous massivement Tshikapa ville et territoire, souligne Denise Moulouka. Plusieurs têtes d'érosion menacent la ville de Tshikapa. Les notables et l'ensemble de la population lancent un cri de détresse pour sauver la route qui part de Tshikapa vers la frontière angolaise. Reportage. Du tissu environnemental au Kassai, le gouvernement provincial fait appel à la société Arabe Contractor. C'est le vice-gouverneur Gaston Kolechumwanga qui a ce dimanche reçu une forte délégation de la société Arabe Contractor. Leur échange a tourné autour de la détérioration du tissu environnemental dans la commune de Kanzala, ville de Tshikapa, principalement l'érosion sokagique. Après leur discussion, l'autorité provinciale accompagnée de la dite équipe se sont rendues sur le site du ravin pour s'enquérir des dégâts causés par cette catastrophe naturelle, mais aussi faire un diagnostic pouvant les permettre à faire leur rapport à la hiérarchie peu avant de remettre un devis au gouvernement provincial. Devant la presse locale, le vice-gouverneur Gaston Kolechumwanga s'est dit préoccupé de la situation et a rassuré à la population que le gouvernement provincial travaille d'arrache-pied pour qu'une solution rapide soit trouvée tout en invitant la population kassaïenne au calme face à cette situation. Kolechumwanga a par ailleurs annoncé qu'une forte délégation de la province du Kassai, composée de députés provinciaux et les membres de son gouvernement, va se rendre à Kinshasa pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement central.
Ouverture du panel de 2 jours sur la biosphère de Louki dans le territoire de Mwanda au Congo central par le gouverneur de province. C'est dans le but de sauver la réserve biosphère dans cette partie du pays. Suivez. Placé sous le thème « Sauvons la réserve de la biosphère de Louki », un panel de 2 jours de réflexion et d'échanges a été organisé au village Louki, dans le territoire de Mwanda au Congo central, par le ministère provincial de l'environnement, forêt et conservation de la nature, chapeauté par maître Yves Songo Massa. Du 21 au 22 mars, à l'occasion de la célébration de la journée internationale des forêts, experts, professeurs, communautés locales et partenaires, tous réunis, envie de trouver des solutions idoines pour sauver la réserve de la biosphère de Louki, menacée de disparition. Il en va donc de notre intérêt de nous mettre autour d'une table afin de réfléchir, parler franchement des différents problèmes qui sont à la base de cette destruction, identifier les responsables et proposer des solutions idoines pour stopper cette hémorragie qui nous conduira sans doute à la perte totale de ces patrimoines si rien ne change ici 2040. Le directeur de cabinet adjoint, José Ntedika, intervient sur la régénération et sauvegarde de la biosphère des Louki. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour sauver justement cette forêt? Ou régénérer, parce qu'en termes de forêt, il n'y a plus rien à sauver, mais il faut régénérer la forêt. Après cet arsenal de discours, pour l'ouverture de ces panels, devant le secrétaire général à l'environnement Benjamin Touarambe, le tour est venu pour les panélistes, notamment les professeurs Tolérant et Semeki, ainsi que d'autres, d'étaler la matière scientifique avec différents thèmes. L'Union sacrée de l'espace Okatanga se redynamise pour préparer les échéances électorales à venir. Son coordonnateur Henri Yamba a réuni les responsables des cellules de cet espace géographique. Okatanga, viva! 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 Henri Yamba, coordonnateur, parti maison, président, réuni, viva! Le coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation Grand Katanga, le professeur politologue Henri Yambambouyou, a échangé avec le responsable du département de l'Union sacrée de la Nation Grand Katanga, ce dimanche 19 mars 2023 à Lubumbashi. Après ces différents voyages effectués dans la province du Tanganyika et du Kinshasa, dont le cadre de l'Union sacrée de la Nation, le lion blond Henri Yambambouyou Baba Wakatanga, l'unificateur, a prêché les vivre ensemble pendant cette période difficile qui traverse la province du Haut-Katanga avec les tueries ça et là. Le politologue Henri Yambambouyou lutte contre toutes sortes d'antivaleurs qui visent à saboter les pouvoirs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, si tu commences le tribalisme, avec moi ça ne peut pas marcher. Le Baba Wakatanga, Henri Yambambouyou, a exhorté l'Assemblée à rester dans l'unité pour la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2023. À Kinshasa, la commissaire générale en charge de l'environnement était en réunion avec les bourgoumestres. Ils ont échangé sur la problématique des nuisances sonores. Joël Makela. Travailler en synergie pour dégager des stratégies et perspectives en vue de mieux assainir la ville de Kinshasa, c'est en substance l'essentiel de cette première réunion qu'a convoquée la commissaire générale en charge de l'environnement, Laetitia Benakabamba, pour échanger avec les bourgoumestres des différentes municipalités de Kinshasa sur les mesures efficaces à prendre en vue d'éradiquer les nuisances sonores qui envahissent les quartiers de la capitale. Cette réunion consacrée aux discussions autour de la problématique liée à la nuisance sonore dans chaque coin de la capitale, a consisté à proposer de manière concrète des solutions afin de bien combattre ces mauvaises pratiques ancrées dans les us et coutumes de la population quinoise. Après échange, les options levées d'un ton ferme, l'autorité urbaine a insisté pour que soit mis fin à ce complément tout en souhaitant de mettre en place un état de lieu sérieux. Sur instruction du gouverneur, nous appesantissons là-dessus pour que finalement, comme je ne cesse de le dire, Kinshasa Bopeto ne soit pas un slogan. C'est un état d'esprit qui veut que nous puissions changer de mentalité et ce, partant de la base. Nous devons nous souder les coudes et nous assurer au travers nos autorités politico-administratives et tous les comités d'exécution qui doivent être mis en place à leur niveau puissent faire correctement ce travail-là, et surtout la population, puisse vivre dans cette mégalopole attractive, rayonnante, résiliente, mais surtout là où il fait bon vivre. Cette opération est menée
en application de la mesure du gouvernement provincial, interdisant les tapages diurnes et nocturnes. Ce genre de réunion, sous ce format, se fera désormais de routine 3 mois après. La situation d'insécurité et celle des têtes d'érosion sont parmi les sujets évoqués par la population victime lors de la mission d'itinérance du bourgmestre de Mongafula dans quelques quartiers de sa juridiction. Anastasie Dumbo. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans quelques quartiers de Mongafula, l'occasion était pour le bourgmestre de sensibiliser ses administrés à lutter contre les antivaleurs et à s'auto-prendre en charge, surtout en cette période pluvieuse avec des érosions causant d'énormes dégâts. Nous savons que notre commune est collinaire. Après la pluie, il y a beaucoup de têtes d'érosion qui se forment par-ci par-là. Et la population est en train de pleurer pour ça. Il y a l'insécurité, le phénomène Kuluna auquel nous faisons face et nous devons nous battre pour trouver des solutions. Nous poussons cette population à être elle-même source du développement. Grâce à la vision du chef de l'État, la solution est présente. Nous savons que dans plusieurs quartiers de Mongafula, il n'y a pas de marché. Parfois, ce sont des emprises qui sont utilisées comme marché. Alors, la commune se bat pour voir tous nos administrés qui ont des grandes concessions, s'ils peuvent nous aider à céder ou à vendre pour que un marché soit construit pour cette population. Outre la situation des tracasseries de quelques éléments de la police décriés par la population, les manques des marchés sont parmi les préoccupations majeures de la population de cette commune. À l'issue de cette tournée, les opérateurs économiques de cette commune ont plaidé pour la réduction des taxes dans l'un des quartiers pauvres de Mongafula. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise sensibilise sur le soutien de FARDC et du président de la République. Patrick Ekoutou condamne l'agression de la partie est de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. C'est dans cette salle pleine comme un œuf que les membres du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise se sont réunis pour réfléchir sur les questions de l'heure de la RDC, parmi lesquelles la situation sécuritaire du pays, qui est un frein pour le développement de la jeunesse. Dans son allocution, le secrétaire général Patrick Ekoutou a appelé la jeunesse congolaise de soutenir avec toute énergie la vision du président de la République qui met en exergue le développement du peuple congolais. Patrick Ekoutou condamne l'agression de la partie est de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Nous avions profité de cette occasion pour justement condamner les attaques du M23 soutenu par le Rwanda. Et conformément à notre idéologie, nous ne pouvons jamais en aucun jour accepter qu'une portion de terre congolaise soit cédée aux étrangers. La population congolaise dans son ensemble et derrière son excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Après cette sensibilisation, le secrétaire général du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise a procédé au nom du président John Mbaya à l'investiture du nouveau vice-président de ce mouvement, Henri Kindonda, nommé récemment par John Bayandila. Notons que cette manifestation s'est déroulée dans la salle de fête Galilée à l'Emba Terminus. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Retrouvez Françoise Bouella à 20h pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain. Au revoir.